Santofola, tu es directrice générale de TF1 Publicité et présidente du syndicat des régies internet, que ce soit TF1 ou le SRI, vous êtes administrateur de l'ARP. Mais on va parler d'abord du SRI et de toutes les actions menées collectives et aussi autour de l'autorégulation. Alors effectivement, le SRI croit fermement à l'importance de l'autorégulation. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un écosystème publicitaire très imbriqué et très interdépendant, que ce soit au niveau des agences, des annonceurs, évidemment des médias et des régies. Et pour nous, il est absolument essentiel, pour avoir un marché équilibré, que nous favorisions le dialogue pour finalement permettent l'accélération, la transformation du marché publicitaire, notamment sur les enjeux du digital et les enjeux de la publicité durable et responsable. Pour nous, donc, dans le cadre de nos travaux, il y a trois grands axes. Le premier, c'est la standardisation, et notamment on travaille main dans la main, par exemple avec l'IAB ou avec l'EDI. Le deuxième point, c'est bien évidemment tout ce qui est capacité à accompagner, recommander et aussi intégrer des règles de déontologie. Je sais que ce sujet est cher au cœur de l'ARP. Et puis le dernier point, c'est comment, ensemble, au quotidien, on a la capacité de faire preuve d'intelligence collective en menant des travaux, en mutualisant nos efforts, en partageant effectivement nos idées, nos convictions. Et il y a notamment un sujet sur lequel on est particulièrement fier, et je souhaite d'ailleurs associer Hélène Chartier, qui dirige le SRI, c'est le référentiel du calcul de l'empreinte carbone des campagnes digitales. On a vraiment collaboré avec l'Alliance Digitale. On a été assez moteur, il faut le dire, sur le marché. On a aussi travaillé en concertation avec les autres interpros. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que des interpros européennes et internationales nous ont contactés, comme la WFA ou comme l'IAB, pour partager nos travaux. En ce qui concerne plus précisément l'ARP, pour nous, l'ARP effectivement est quelque part une clé de voûte du marché par rapport effectivement à ces différentes missions, et notamment ce qui est pour nous important, au-delà de l'échange que vous permettez entre professionnels, c'est aujourd'hui l'intégration de membres de la société civile, ce qui est quelque chose de nouveau suite à la Convention citoyenne et au contrat Média Climat. Et c'est vrai que pour nous, ce regard du consommateur aussi citoyen nous aide à avancer, et en particulier en ce qui concerne, et j'imagine que nous allons en reparler, les sujets de publicité durable et responsable. Justement, tous les engagements de TF1 Publicité sur les enjeux de cette consommation responsable, de cette transition, ce soutien, bien sûr, puisque il y a un avis préalable pour l'ensemble de la publicité télé, ça c'est historique et c'est un soutien. Alors quelles sont toutes ces actions? On va peut-être pas pouvoir toutes les dire, mais déjà les plus emblématiques de la régie particulièrement. Le groupe TF1 est engagé depuis de nombreuses années. On a une direction RSE depuis 2007. Néanmoins, on est tous d'accord, je crois, pour le dire, il y a eu une sorte d'électrochoc positif avec la Convention citoyenne et derrière, effectivement, la loi contrat Média Climat. Et la filière, elle a pris conscience qu'il y avait clairement un retard sur les sujets de l'encadrement de la publicité et comment effectivement la publicité avait la capacité à accompagner ce mouvement nécessaire. Pour nous, il n'y a absolument aucune ambiguïté de construire une publicité durable et responsable. Donc nous, en tant que leader objectif du marché, on s'est dit qu'il y avait effectivement une nécessité de construire une feuille de route. Alors, au niveau de la régie, on a travaillé main dans la main avec un certain nombre de professionnels, notamment Sidiez, et on a créé une feuille de route en 4 points. Le premier, c'est la formation de nos collaborateurs, puisque finalement, la logique d'exemplarité, elle doit commencer par soi-même. Et il y avait un enjeu, effectivement, de pédagogie et d'expliquer aux collaborateurs pourquoi
c'était si important de se sensibiliser, de comprendre en quoi la publicité devait évoluer sur cette thématique. Le deuxième point, c'est évidemment l'enjeu de la mesure. Donc on en parlait précédemment dans le cadre du travaux du SRI, mais là aussi, au niveau de la télévision, au niveau de la radio, au niveau du digital, on a été très moteur avec les interpros pour créer des référentiels de mesure de l'empreinte carbone. Et maintenant, l'enjeu en 2023 et 2024, au-delà de constater, de mesurer, ça va être bien évidemment d'avoir des plans de réduction, puisque ça, c'est assez aussi essentiel. Le troisième point, justement, c'est toute la dynamique de marketing de l'offre, comment on accompagne les marques pour effectivement démontrer, dans le cadre de la mise en avant de leur offre et leurs services, qu'ils accompagnent le consommateur sur effectivement ces enjeux-là. Et donc, comme toutes les régies, hein, il faut le dire, il n'y a pas, on va dire, une spécificité TF1 Pub sur ce sujet-là. On a tous proposé un certain nombre de dispositifs dédiés, avec au départ, et c'est là où vous êtes intervenu, une volonté de bien faire, je pense, et on s'est peut-être parfois un peu égaré en pensant bien faire, en utilisant le mot green à peu près tout le temps. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Et comment, effectivement, on fait attention à ça et comment il n'y ait pas, entre guillemets, un misunderstanding vis-à-vis du consommateur sur ces sujets-là. Et le dernier point, c'est comment on peut contribuer à la filière en tant qu'acteur de ce marché. Et là, on a effectivement à la fois créé un fonds qui s'appelle l'éco-funding, je vais y revenir, et également de la fresque du climat. On a souhaité adapter cette fresque du climat à la fresque de la publicité. Et ça, c'est vrai que pour nous, ça a été un acte assez fondateur de se dire, au-delà des politiques commerciales, au-delà de, finalement, le métier d'une régie, comment, effectivement, on contribue à cette pédagogie de marché. On a créé cette fresque de la publicité avec Humatter, qui est, on va dire, un organisme indépendant et certifié. On l'a créé avec des annonceurs, des agences, des régies concurrentes, des aussi partenaires qu'on sait dans cet environnement. Vous et bien évidemment, associé. L'ARP et l'ADEME, c'est important de le dire. Et aujourd'hui, c'est plus de 1000 professionnels qui ont déjà fait, depuis septembre dernier, cette fresque de la publicité. Donc, on est très fiers, puisque désormais, elle ne nous appartient plus. Elle est en open source. Et j'encourage vraiment tous les professionnels à faire cette fresque. Donc ça, c'est au niveau de la régie. Et au niveau du groupe TF1, finalement, au-delà de l'obligation en tant que, on va dire, régie B2B, on a bien évidemment des obligations en tant qu'entreprise. On appartient au groupe Bouygues. Le groupe Bouygues s'est engagé, évidemment, à réduire sa trajectoire carbone d'ici 2030 de 30%. Et donc, le groupe TF1 a pris aussi cet engagement, que ce soit sur le scope 1, le scope 2 ou le scope 3A. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en tant que média, j'imagine que c'était aussi le sens de ta question, on a pris un certain nombre d'engagements dans le cadre du contrat Mediaclima, même si de nouveau, on ne l'a pas découvert à partir du moment où, notamment dans nos JT, ça fait de nombreuses années que nous travaillons avec les rédactions pour porter auprès des Français ces enjeux plus globaux de la RSE et plus spécifiquement de la transition écologique. Et c'est à peu près 1000 heures par an qui sont consacrés à ces sujets RSE, dont 50% donc à toute la partie environnement. Mais la rédaction a souhaité aller plus loin avec une feuille de route dédiée sous l'impulsion de Thierry Tullier, notre patron de l'information, avec la création d'un label Votre Planète qui permet aux téléspectateurs internautes de repérer quand on va parler de ces sujets-là, avec un certain nombre de programmes et de rubriques dédiées comme le CQFD, comme le 20h vous répond ou comme la Terre augmentée. La création de comités d'experts pour effectivement vérifier les informations, parce que ça, c'est notre grand combat. C'est comment, effectivement, on n'est pas dans le fake news, dans le deepfake. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis, bien sûr, un engagement aussi de former nos journalistes de manière continue pour pouvoir effectivement s'adapter et prodiguer, entre guillemets, une parole objective sur ces sujets-là et une parole qui fait sens et qui permet de mieux de donner un éclairage à notre téléspectateur consommateur. Donc, Stéphane, tu l'auras compris, on a effectivement une volonté de construire cette logique de publicité durable et responsable. Et on se connaît depuis de nombreuses années, et tu le sais, ce n'est pas de la flagornerie de ma part, de dire combien on est heureux au quotidien de collaborer avec l'ARP et que ce sujet de l'autorégulation
est absolument décisif. Car si effectivement les différentes parties prenantes ne démontrent pas la capacité à faire preuve de justement cette intelligence collective dont on parlait ensemble, il y aura effectivement des encadrements réglementaires qui pourraient être contraignants. Et donc je suis une fervente militante de l'autorégulation. Je sais que toi aussi, et notamment sur toute la partie digitale et cet enjeu de responsabilité, continuez à nous challenger comme vous le faites depuis maintenant de nombreuses années. Merci beaucoup et on sait le soutien historique évidemment de TF1 Publicité, de l'ensemble des régies, que ce soit les régies internet comme d'ailleurs des régies télé et nous travaillons ensemble justement à défendre cette autorégulation qui a quand même fait ses preuves, hein, qui va bientôt fêter ses 90 ans. Eh oui, merci, ouais. Joyeux anniversaire.